Il y a 5 ans, Emmanuel Macron créait En Marche autour d'une promesse, renouer avec l'efficacité de l'action politique. Depuis, nous pouvons mesurer le chemin parcouru. Malgré les crises, la France se transforme et nos vies changent. Trois piliers guident notre action. Libérer d'abord. Nous libérons le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% d'entre eux, c'est 780 euros d'économie en moyenne. Pour des millions de Français, nous avons augmenté la prime d'activité de 90 euros par mois et nous avons baissé l'impôt sur le revenu pour une économie de 300 euros par foyer en moyenne. Nous libérons l'emploi, pour notre jeunesse d'abord, en rendant l'apprentissage plus attractif. 2020 a ainsi été une année record, avec 500 000 jeunes apprentis. Pour l'emploi, il y a aussi le plan de relance de 100 milliards d'euros qui permettra de réindustrialiser et de relocaliser des activités en France pour faire face à la crise sanitaire. Enfin, nous libérons nos entreprises, grandes comme petites, avec une baisse historique de l'impôt sur les sociétés et des impôts sur la production pour stimuler l'investissement dans l'économie française. Protéger ensuite. Nous protégeons la planète. Nous investissons 30 milliards d'euros pour une relance verte. Nous fermons les centrales à charbon. Nous aidons, grâce à la prime à la conversion, des millions de Français pour l'achat d'un véhicule moins polluant. Nous protégeons la santé lorsque nous remboursons à 100% lunettes, appareils auditifs et prothèses dentaires pour ceux qui en ont besoin, en mettant fin au numerus clausus des étudiants en médecine, en investissant comme jamais dans l'hôpital et dans les salaires des soignants. Nous protégeons les femmes grâce à une meilleure formation des policiers, la mise en place du bracelet anti-rapprochement des conjoints violents, mais aussi en mettant fin aux impayés de leur ex-conjoint grâce au versement automatique des pensions alimentaires. Nous protégeons les jeunes avec le dédoublement des classes en CP et CE1 qui favorise un meilleur suivi et donc une éducation de meilleure qualité. Nous permettons aux jeunes les plus démunis de manger à la cantine pour 1 euro par jour. Nous facilitons leur recherche d'emploi avec la plateforme Un jeune, une solution. Rassembler, enfin. Nous rassemblons autour d'un nouveau pacte territorial avec 2000 maisons France Service pour donner accès aux services publics où que l'on habite. Nous rassemblons autour d'une renaissance européenne avec 23 nouveaux élus progressistes, mais aussi avec un plan de relance européen historique de 750 milliards d'euros. Nous rassemblons, enfin, en replaçant les citoyens au cœur de la démocratie, au travers du Grand Débat National ou encore de la Convention citoyenne pour le climat. Notre raison d'être, c'est l'action. Poursuivons l'effort entamé en 2017 pour améliorer le quotidien des Français. Faisons-le ensemble.